Salut. Aujourd'hui, je vais à Pouconne. Hier, je suis arrivé ici à Sainte-Martine. Et en fait, il n'y a pas de bus direct de Barriot chez Pouconne, donc j'ai dû dormir ici une nuit. J'ai dû faire une nuit à Sainte-Martine. Je suis pas très réveillé parce qu'en fait, là, il est 5h30 du matin et je vais prendre mon bus. Donc, ça, c'est une autre réalité en fait de quand tu fais des voyages backpack, c'est que parfois il faut que tu te lèves super tôt pour juste aller chercher ton bus. Et voilà, vamos! Bienvenue à Pouconne, alors je suis ici pour venir faire des randonnées. Alors pour une fois je ne suis pas dans un dortoir, je suis dans une chambre individuelle. Le prix était plus ou moins le même vu que j'avais des réductions sur Booking. Donc pourquoi pas en profiter. La dernière partie, je suis clairement en train de mourir, mais ça a l'air super beau tout autour de moi et je vois plein de volcans et j'arrive bientôt au top, il est là, tu vois là c'est le top, j'arrive bientôt, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai faim, mais ça vaut le coup, ça va être super beau, je le sens bien, j'arrive au top, encore quelques mètres. Et j'y suis. Bienvenue au Laguna Toro. Alors ici c'est super beau, on a une montagne ou un volcan derrière moi, je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est super beau. Alors le trajet est un peu plus facile qu'hier, mais quand même un peu compliqué. Il y a quand même 700 mètres de dénivelé au total, je ne sais pas combien de kilomètres par contre. Mais ouais, c'est super beau, il y a plein de petits lacs, c'est super calme, c'est super beau, bref, j'aime bien Pouconne. C'est bien, c'est beau Pouconne, c'est même très beau Pouconne. De Pouconne, alors là je suis dans un aéroport et je m'en vais super loin, mais tu le verras dans la prochaine vidéo. Alors j'espère que tu as aimé celle-ci, si oui n'hésite pas à l'aimer, à la commenter pour gagner une carte postale et je te dis à la prochaine, ciao.